les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ai demandé sur Snap si vous vouliez un tuto make-up ou pas, ou autre chose, etc. Vous m'avez demandé un tuto make-up, enfin, etc. Donc voilà, donc déjà je vais faire avec la palette de chez Sephora, qui se présente comme ceci. Est juste énorme. Hop. Voilà. Donc, je savais pas trop si je devais faire un maquillage prononcé ou plutôt un maquillage clair. Et je me suis dit que j'en avais déjà fait beaucoup, des maquillages pas trop voyants. Du coup, je vais essayer de reproduire celui que j'ai fait pour le nouvel an. Donc voilà. Je vais juste tenir mes cheveux avec ça parce que ils vont dans mon visage et j'ai pas trop envie de les salir. Voilà. Donc du coup, j'ai sorti absolument pratiquement tous les pinceaux. Enfin, j'ai tous les pinceaux dont j'ai besoin. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu moi ce que j'utilise. Et puis voilà. Donc pour commencer, j'utilise celui-ci, juste pour unifier avec une seule couleur à paupières. Donc j'avais utilisé celui-ci. Donc celui-ci, qui est une sorte de crème blanc, crème. Et c'est un fard irisé. Donc voilà, ça se voit pas trop parce que justement c'est pas pour que ça soit flashy, c'est vraiment sobre. Et hop, j'ai oublié un pinceau. Commence bien, voilà, il est là. Donc maintenant je viens prendre un pinceau biseauté et je viens chercher du noir. Voilà, je vais vraiment essayer de reproduire. Je pense que ça va pas donner ce que je veux. Donc j'avais fait une sorte de trait comme ça, hop, et je suis revenue à l'intérieur en gros comme ça. Voilà, donc là c'est vraiment pour dessiner le contour si j'y arrive. On va prendre une lingette démaquillant. Vu que là je suis partie trop loin. Voilà. Donc c'est plus comme ça. Là ça fait très, très bizarre. Donc toujours avec le pinceau biseauté, je viens du coup un petit peu remplir. Voilà. Donc là, je viens prendre mon pinceau boule
pour estomper. Et vu que je viens de le mouiller, ça va pas faire ce que je veux. Ah si. Alors normalement, faut venir faire des petits ronds. Après, tout le monde a une technique différente. Pour l'instant, ça fait un truc bizarre. Donc voilà pour la première étape. Ensuite, en fait, c'est que je les ai utilisés tout à l'heure, donc du coup, je suis obligée de les nettoyer. Voilà. Donc j'ai utilisé celui-là, qui est un tout petit pinceau, et je viens prendre. Hop. Je viens prendre celui-ci qui est un bleu vert. Et je viens remplir du coup la paupière mobile. Hop, j'ai pris ma deuxième palette avec laquelle j'avais continué. Hop. Ok. Donc, du coup, c'est une palette de paillettes. Donc voilà, donc je viens prendre le bleu qui est ici. Hop. Ouais. Donc je viens prendre le fixateur de chez Sephora, voilà, qui est en spray. Voilà, je viens prendre mes paillettes et je les dépose en ras de cils supérieur. Donc voilà. Hop. Et ensuite, je viens prendre le bleu turquoise qui est ici.
pour mettre en ras de cils inférieur pour faire un rappel de couleur avec les paillettes, vu que c'est la même couleur que les paillettes, sauf que ce sont des paillettes qui du coup sont collées là. Donc voilà, et ensuite pour terminer, je reprends ce petit pinceau là avec lequel j'avais pris les paillettes. Hop, je viens prendre celui-ci qui est un doré et je viens le mettre en coin interne et je viens sur le noir et le bleu aussi. En gros, comme ça. Voilà. Je reviens estomper le noir. En gros, voilà. Donc je vais prendre une photo vraiment du maquillage rapproché, mais ce n'est pas fini vu que là j'ai juste fait les yeux entre guillemets, le contour. Donc non, j'ai besoin des miroirs. Je suis venue avec donc j'ai testé le liner avec la pointe, enfin la virgule dessinée, mais là j'en ai pas besoin vu que avec le noir ça ne se verra pas, donc je viens juste prendre le crayon et je viens faire un tout petit trait en ras de cils inférieur en dessous des paillettes et j'ai remonté sur mon noir en fait. Comme ceci. Voilà. Je viens prendre le mascara de chez L'Oréal, le Volume Million. Et ensuite, je viens prendre le mascara de chez Kiko. Pour courber les cils, en fait. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon pinceau, comme ceci, avec la petite brosse. Je mets du fixateur dessus et je coiffe mes sourcils. Et pour terminer, le rouge à lèvres de chez Kat Von D. Donc je ne sais plus quel. C'est le Lovecraft. Voilà. Donc vu que j'ai fait un maquillage assez prononcé, je fais un rouge à lèvres nude.
Et voilà pour mon maquillage du premier blanc. Hop. Donc voilà, donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez bien, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Et puis si vous n'aimez pas, un pouce vers le bas. Voilà, voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, et ben mettez-moi en commentaire ce que vous voulez ou sur Snap. Je vous mets juste après mon Snap, mon Insta. Voilà. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!